Enfin, la méta des beats, t'as l'impression que le mec est vraiment comme ça, tu sais, il te joue le télé-réalité, quoi. Alors que Locklear, tu sais très bien qu'il... J'ai sauté et le gardien a fait... Ok, vas-y, go, y'a moins de la win. Ce serait extraordinaire, ce serait le match référence. Et là, je pense qu'on va se faire un petit match, voir un petit peu comment l'équipe continue de se comporter. Il y a les qualifs qu'il va falloir peut-être faire demain si je veux essayer de le faire ce week-end. Je sais pas dans quel état je vais rentrer du GP. Et est-ce que j'aurai le temps de le faire en une journée? Parce que je pourrais live que dimanche, moi. Et encore, mais dimanche, jamais je peux live. Non, mais jamais je peux faire le Fut Champ cette semaine, frère. À 10h45, là, voilà, c'est LDC. C'est qui? C'est l'OM? Allez, l'OM. C'est l'OM aujourd'hui? Demain, PSG? Comment ça, allez, l'OM? Bah, allez, l'OM quand même, les gars. Moi, je suis toujours chauvin. En plus, j'ai grandi à Marseille, j'ai un petit. Ouais, tu vois. On peut. Alors, je suis bien évidemment un supporter du PSG. Donc, voilà, vous pouvez. Voilà, je vais me faire Vous pouvez. Mais allez, l'OM. Bah oui. Mais écoutez, moi je suis comme ça. Je ne tombe pas dans ces pièges commerciaux, dans ces pièges identitaires qui font que pour que chacun se sente mieux dans son existence, il se rattache à quelque chose qui finalement, ensuite, avec un petit peu trop de... Hein ? On peut dire l'OM. On n'a pas attendu le foot pour se faire un peu la guéguerre entre Paris et Marseille. Et c'est parce que c'est deux cultures différentes, c'est deux visions de la vie et de philosophie de vie différentes. J'ai eu la chance de m'enrichir des deux. Et franchement, je vous jure que frère, en tant que Parisien, j'ai kiffé vivre à Marseille. Laissez-moi tranquille. Bon, on fait Division Rivals. Je pense que c'est bon bail. Peut-être pas mettre tout ça sur le banc là. Je win sur un autre live. Let's go! Merci les viewers qui défendent là, qui défendent contre les impatients. On aura besoin de vous dans cette guerre, hein, je vous le dis, parce que nous on est fatigués déjà, on est fatigués. Pas YouTube ici, hein. Il n'y a pas marqué dans le titre de la vidéo Hey, je mange mes crottes de nez! Et tu cliques et tu me vois direct manger mes crottes de nez, sinon tu regardes que YouTube, frérot. C'est un live, frérot, on lance, on est là toute l'après-midi, la soirée avec les gens. Si vous avez prévu de passer qu'une demi-heure, une heure, désolé, mais nous on savait pas. Enfin, moi je peux pas m'adapter à ça. Faut comprendre que vous êtes en communauté. Je suis désolé, transport en commun, sauf cas de malaise. Le bus va pas s'arrêter pour what, frérot? Tu dois attendre la station, enfin j'en sais rien, il y a des règles de civilité, de bonne conduite. Normal, t'es un pistonné, t'as jamais regardé un live de ta vie. Ah ouais. Je crois que t'as raison, mon pote. Putain, tu viens de me dire tellement les vérités que là je suis abasourdi. Comment j'ai pas pu y penser avant? Je suis mort. Ah, t'as tout dit. Heureusement, parce qu'à un moment, je sais pas, il y a pas si longtemps, j'ai lancé internet, j'ai vu Amine, je crois, Amine Mathieu Qui faisait quelque chose là, il faisait un stream, et du coup je me suis dit que j'allais faire pareil. Ouais, je viens de découvrir, ouais. Heureusement qu'il y avait Fortnite qui m'a fait découvrir du coup le jeu vidéo, surtout dans ma vie, parce que bah avant ça, je connaissais pas l'existence des consoles, des PC, tout ça, je connaissais pas. Du coup, j'ai découvert Fortnite et top 1, du coup on a top 1. À partir de là, je me suis dit bah pourquoi pas faire ça, faire ce que je fais. Et trop heureux, meilleur choix de ma vie. Je dis ça, mais encore une fois, je troll, hein, mais si je troll sur la minorité, c'est toujours comme ça qu'on fait. Hein. Pour amuser les autres, on vanne la minorité. Pas bien de faire ça. Je mérite. J'utilise les minorités pour faire rire les autres. CSC. Full CSC. Mais réel. Vas-y, focus, c'est bon, mais saoulé là, j'ai même plus envie de parler avec vous. Ok, lucide le doigt, Glucy. C'était peut-être à Ronaldo. Oh, quoique Ronaldo. Oh, mais. Oh, j'aurais dû faire extérieur. Faut que je passe au centre extérieur. Jamais de la vie ça. Alors même si c'était une blague pour toi, ça me vénère vraiment qu'on croit que Dwagby est pistonné alors qu'il y a déjà plus de 10 ans. Il était déjà là, il était en train d'inventer le streaming qu'on connaît aujourd'hui. Avec Talk, avec Bob le Gomme, Millennium, finalement tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Dealer mon gars, dealer. Dealer qu'ils ont rien inventé, dealer. Après c'est normal, chaque époque évolue avec ses références. Mais bon, de là à faire des résumés parce que tu... Pas toi, hein, mais parce que les autres, certains manquent d'informations, bah c'est toujours tristounet. Mais bon, c'est humain, y a rien de méchant, c'est humain. Il sait pas. Peut-être que lui m'a vu pour la première fois au The Event à côté de JL Tommy, tu vois. Il s'est dit, bon, bah, peut-être que le gars vient d'arriver, tu vois. Chiap, il a le droit de pas savoir. Les gens veulent du divertissement simple, rapide, facile à déguster. C'est la méta débile. C'est qu'il y a deux types de personnes dans la méta débile. Premier type de personne, je ne dirais pas non. Ça sera à vous de déduire ce que vous voulez. Chacun a son avis. Mais vous avez dans la méta débile les vrais débiles, où là, c'est pas ouf. Non, c'est pas facile, les pauvres. Et vous avez ceux qui jouent le débile. Et moi, j'aurais peut-être pris les gens qui peuvent jouer le débile, parce que après, sur le long terme, ça va être chiant, en fait. Tu vois, court terme, marrant, on fait la méta un an ou deux, puis après, faut passer à autre chose, parce que sinon, ça va faire chier. Et t'as des mecs, ils sont encore dans la méta débile, mais c'est pas parce qu'ils sont dans la méta, eux. C'est typical caractère, quoi. Enfin, la méta débile, t'as l'impression que le mec est vraiment comme ça, tu sais, il te joue le télé-réalité, quoi. Alors que Locklear, tu sais très bien qu'il est dans son personnage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La méta débile, c'est des mecs qui ne font pas semblant d'être dans un personnage et t'as l'impression qu'il est vraiment premier dog comme As. Bien, ouais, j'ai magnifique le but. T'as rien à prouver. Ah non, mais c'était pas par rapport à moi, mais c'était pour montrer un peu parfois les
les dérives de ce game. Tu aurais été un bon commercial. Bah techniquement, je suis commercial de mon propre moi, quoi. Merci. Donc je suis un bon commercial, merci. Bah oui, non, mais je vais pas vous vendre, parce que là, je vous parlais tout à l'heure des 15 ans de gaming, de streaming, de on a tout fait, etc. Mais je vais pas vous parler du nombre de corps de métiers qu'on maîtrise, quoi. Je dois avoir 8 métiers en même temps, quoi. 8 métiers à peu près. Sans prendre en compte mon métier de joueur pro FIFA, parce que sinon je le rajoute, j'ai 9 métiers quoi. Non mais oui, en vrai de vrai, on est un peu tous des commerciaux, tu vois ce que je veux dire. Quand entre guillemets je fais un hashtag ad, bah je suis un peu en mode commercial. Même si je garde mon authenticité et ma relation particulière avec ma communauté, comme dirait un bon commercial, je le suis par des pipes. Par contre cette passe intéresse tout le monde. Non mais je vous l'ai dit, là ça va parler vrai football. Les gens qui m'ont pris à la légère en disant mais il rigole, il va reparler avec le chat. Là c'est plus pareil, je parle avec le chat mais je suis en maîtrise de mon gameplay. D'ailleurs j'étais vraiment en relâchement comme si je jouais avec Gotha en mode fun et... Ah bah oui, non là il y a une maîtrise, vous l'avez reconnu le gameplay. Il est maîtrisé, on est d'accord. Non mais je veux que ça vienne de vous, je veux que ça vienne de votre bouche. Ronaldo, regarde, même j'annonce. Oh. C'est le 9ème métier qui part. Ouais bah en fait c'est ça, c'est que je suis un peu schizophrène forcément. Plusieurs personnalités, plusieurs métiers. Vous voulez parler au comptable ou pas? Alors attendez deux secondes. Jean-François! Il arrive. Jean-François! Je suis pas sûr que j'ai reboosté cette vanne. Soleil, ça me fait. Je sais pas pourquoi ça me fait. Jean-François, ils veulent te parler! Attendez. Je peux pas aller où? Oui, bonjour! Non, là, ça va trop loin, là. Frère, je préfère la méta débile. Venez, on refait méta débile. Ok, passe. C'est bien parti. Croisé. Jean-François, ils veulent te voir. Oui, bonjour. Il y a un truc qui m'a énormément impressionné dans la vie, c'est les chats Twitch. Hein. Les chats Twitch, vraiment, vous êtes impressionnants. Oh, je l'ai vu! Non, mais pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous avez remarqué la passation entre Jean-François et Douag là sur le changement de skill? Ah, parce que je suis de retour d'ailleurs, désolé les gars, je vous ai pas dit, mais Jean-François est parti, il avait une réu. Je l'ai dit tellement de fois. Ok, c'était l'expérience sociale, tu viens de tomber dans mon piège. Donc là, c'était par rapport à l'arène. Rappelez-vous, il y a quelques secondes, je viens de dire à l'instant, ouais, chat Twitch, nanana, il y a forcément quelqu'un qui sont ces gens-là, ils sont extraordinaires, etc., etc. Donc, maintenant, pour répondre et pour que je finisse mon étude sociale, est-ce que tu peux me dire si tu t'es senti saucé par mon message? Alors, est-ce que ça t'a saucé que je fasse genre, ah ouais, c'est qui ces gens-là? Ouais, incroyable. Est-ce que t'es tombé dans le piège? Est-ce que ça a créé un climat de sympathie entre toi et moi? Est-ce que tu t'es senti genre un peu au-dessus des autres? Juste pour savoir. Oui, vraiment. Ok, cool. Je maîtrise encore la manipulation de l'homme. Trop bien. Et oui, vous croyez que c'était Douag? Eh ben non, c'était Gauthier. Je suis Gauthier. J'ai pris le contrôle de Douag. Gauthier, le manipulateur. Bon, un peu nul à FIFA, Gauthier. Un peu nul à FIFA, Gauthier. Il va peut-être rendre la manette à Douag. Non, mais cool. Si ça a marché, c'était le but. Alors que ça. Là, c'est pas Gauthier. Tu vois, c'était pas Gauthier. Je t'ai remis à ta place, ça c'est Douag. Quand je te remets à la place, c'était Douag. Mais en fait, je sais pas pourquoi je précise, le gameplay vous dit que c'était Douag. Profitez d'ailleurs de Gauthier, de Jean-François et des autres. Ça me fume comme sujet. Profitez de Gauthier, Jean-François. En fait, ce qui me tue, c'est de le dire avec autant d'aplomb. Profitez beaucoup de Jean-François et de Gauthier et des autres. Parce que normalement, dès demain, ils seront plus là. C'est un live unique. Ce live sera d'ailleurs délète pour que plus personne n'apprenne jamais l'existence de toutes ces personnes. Par contre, je précise, c'était pas Douag, hein, il y a un instant. Je ne cautionne pas tout ce que mes... Je précise, c'était pas Douag il y a un instant. Mais à votre avis, c'était qui après? C'est qui vous a dit que c'était pas Douag il y a un instant? Juste une question, à votre avis, qui vous a dit que c'était pas Douag il y a un instant? Bah c'est Douag! C'est Gauthier, je sais pas mec, même moi je sais plus. Ma vie que je l'ai pas arrêté, que j'ai tourné à... Ma vie que c'est truqué, j'ai full sauté. Le goal a dit non, je vais rester là. Le goal a décidé. Vraiment, vous l'avez vu, il est parti. Ça, c'était mon action. Sauf qu'il a fait non. J'avais totalement sauté. Ah. Bon, il y a une justice. Non, c'est mérité. Je devais prendre le penalty tous les jours, les frères. Vraiment, il y a même pas de débat. Je devais prendre le penalty tous les jours. J'ai sauté et le gardien a fait. Allant qui. Oh, Oliver. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Oh, Allant, tu fais n'importe. Oh, il vient d'où lui? C'est pas fini, peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. Non, je l'avais dit, les gars, il est trop chaud. J'ai pas perdu, hein. Je dis que je perdais pas, j'ai pas perdu. Bon, malheureusement, on a pas trop le temps de rigoler, on doit pack. Ça va, pack. Pack. Il est même pas sur TS. Ah, si. Pack.
Ah putain, il m'a ghosté ou quoi? Bref, allez, pas cool parce qu'on a que 9 minutes. 9 minutes pour le bonheur, mesdames et messieurs. On est en double ration de pack en promo. Je commence direct par les gros, on perd pas de temps parce qu'on a que 9 minutes pour tout ouvrir. Après, il y a les nouveaux qui arrivent. Donc on fait ça vite. Alexandre Sanchez, je crois que ça se vend. On fait ça vite, on fait ça bien. Pac, 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 pac. Pardon. Enchanté. Mais danse, danse, vas-y. Mais oui, oui. Bah attends, mais on va tout, je vais tous les ouvrir. Ils ont l'air incroyables ces packs. Ils étaient là, ça ressemble à rien. Je crois que c'est au moins 30k. 30k, oh 30k. Après, est-ce que je le vends? Je pense qu'il y a très peu de probacks sur mon gardien. C'est vendu. Ok, on continue là. 5 minutes, il y a 9 packs. Large. Il est sur PC. Et là maintenant, les gens ils savent que voilà, il est venti, il est machin. Terrible, terrible. Pac, 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 pac. Non, non, me dis pas que c'est pac, un pac, super... Pac, 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 pac. Et toi, maintenant, à partir de maintenant, faut appeler ça Paco, Paco. Paco, 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 Paco. Pourquoi Paco? Ouais, parce que quand tu répètes en boucle Pac, Pac, c'est bizarrement. Pac, 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 Pac. Là, il y a les offres qui vont sortir, là, quand même. On est à l'affût, le Kameto. Rejoins la danse. En plus, moi, j'ai raté le pack à 100k d'hier. Tu l'as ouvert, toi, Gota? Merci. Il y avait un hier à 100k? Ouais, il y en a tous les jours, en fait, mais lui, il est disponible que 10h. Si tu l'ouvres pas dans la foulée, tu l'as plus. Ok, il y a 7 variantes. Kamel, tu joues souvent en off ou pas? Parce que là, je me suis pris d'une passion de lancer des matchs en off maintenant. Il y a 7 variantes. Sur FIFA, je joue. Combien 7 variantes en... Alors qu'avant, moi, c'était impossible de lancer un match sans être en live. En même temps. Ah non, non, FIFA, je joue en off. C'est trop nul, frère, je suis obligé de. Ok, mon premier coup franc, j'ai tiré trop mal. Faut que je m'entraîne au nouveau coup franc, du coup, comment ça marche? Ok, je crois Arnold, il est pas très cher. J'ai grid là. Merde, j'ai fait une dinguerie. Je voulais faire une offre. Il restait 5 secondes. Gros, il y a un mec qui va se connecter au jeu. Il va faire l'affaire du siècle. T'as acheté combien? Tu veux pas savoir, je pense. T'as acheté quoi? À combien? S'il te plaît, je pense vraiment que t'as pas envie de savoir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, c'est vraiment giga dingue. J'ai honte. J'ai envie de couper mon live. Attends, mais je l'ai. Du coup, les gens ont vu? Bah oui, gros. Je peux pas le cacher, gros. Attends, mais je l'ai pas en plus. T'as acheté un joueur en achat direct. C'est bon, Courtois joue, frère. Au lieu de bid. À qui c'est pas arrivé ça? Ça arrive à tout le monde. Et il devrait y avoir une commande pour pouvoir annuler son achat. À votre avis, combien? 80 000. En achat immédiat, c'est 80 000 du coup. Alors, 85 000. Alors que son prix du marché. Il est à 100 000. 10 000, même pas. Non, quand même, parce que SBC, tu vois. Ouais, 18 000, 19 000. À votre avis. 85 000, tu l'as acheté. C'est 85 000 son prix achat. J'ai l'impression d'avoir fait une affaire du coup, je suis content. 70, messieurs. Il est parti à 70. À tout moment, il règle le lenti là, il le modifie un peu. Et Mbappé, ça redevient le meilleur du jeu. Voyons fou. Et moi, je pense, Mbappé, il doit jouer avec lui. Il doit se dire, putain, comment ça se fait? Guess comme ça. Sortons de là. Non, mais en vrai, il est sur la pochette. Je pense qu'ils vont faire un truc, c'est sûr. Il est sur la pochette. Il a dit. Non, mais en vrai, je jure que c'est vrai. Je jure, normalement, c'est sur la pochette. Il peut pas. Oh Valverde! Gotaga, question pour prouver que tu n'es pas un footix, chose que tout le monde pense actuellement. Quel est le prénom de Saint-Maxima? Aucune idée, frère. Oh non. Moi je dirais Alain, non? Alan. Pas loin, Alain, Alan. Alain, ça passe, Alain. Ça va, les gars, c'est à la française. En tout cas, je vais faire un match de futur. Allez, on va chercher la troisième victoire en 3 matchs pour les qualifs. La ponte s'accentue, mais les progrès se confirment. La dernière en bonne position. Attention, c'était pas fini. Bah, il était cool la semaine dernière. Walker en possession du ballon. Bon, allez. C'est bien joué. D'accord. En jeu là, non? Eh oui, ça joue sur Ronaldo. Il est pas en jeu. Grosse occasion pour égaliser peut-être. Là, clairement, il a mis un but à peu près 45 mètres. Avec un joueur avec 80 de points. Même pas 4. Il a mis comment? Là, je vais pas te mentir, donc tu prends comme tu veux. Mais là, j'ai pas le sentiment d'avoir pas vu qu'on était un meilleur. Mais les gars, si vous avez vu cette passe, vous respirez le football tout comme moi. Je vous le dis, on a un point commun. Si vous aussi, vous l'aviez vu cette passe, on est ensemble. Ouais, Arsène, là, faut pas me croiser. Là, faut vraiment pas me croiser. Même toi, hein. Même toi pour ta carrière, pour ton image. Reste loin de moi. Ouais, non, parce que là, je pense que c'est plutôt des personnes. On débat avec des personnes. Les gars, Arsène! Viens, on se tape! Viens, on se tape! Pas le meilleur choix. Oh, Saint-Maxima! Laisse-moi quelques jours que je prépare une équipe. Y'a pas de problème, Arsène. J'ai pas du tout fait exprès de pas lire la fin de ton message. Y'a aucun problème. Arsène qui a dit: laisse-moi quelques jours que je prépare une équipe. Ok, pas de soucis, je comprends. Vu ce que je propose actuellement, t'as besoin de temps. Tiens! Je comprends. Non, Arsène, en vrai, Arsène, tu sais quoi, Arsène? Tu sais ce qu'on va se dire? On a le droit de se jouer quand tu veux, mais t'es obligé de prendre le compte gratuit. Comment ça, le compte gratuit?
il fait un contre free to play, un contre. Vaut mieux que je joue avec sa vraie équipe parce qu'il va te fumer avec son équipe. Mais jamais. Play, il sera pire. Mais tu sais que je suis un contre Arsène. M'avait d'ailleurs demandé de supprimer les images et tout, j'ai pas pu parce qu'il y avait. vraiment. Ah mais vraiment, tu connais pas Arsène. Toi. Non, je rigole, je mens sur Arsène, c'est pas bien. Il n'est pas comme ça. Parfait. Et c'est pour regarder sa balle. Occasion avec cette frappe. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête. Ah, la perte de balle de Pogba. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Mais wesh, il est trop nu ce gardien. Le ballon pour Gérard Moreno. Oh là, c'est immaniable, les joueurs sont immaniables, je me bats contre mon joueur, oh il va remarquer. Ouais, s'il est dans la surface, il frappe et c'est butin. Franchement avec Mbappé et tout frère, c'est trop dur de... Tu reçois la balle, ouais. Tu es stun en fait. Ouais. Exactement. Putain, enfin on a le bon mot. Mec, on est stun. Non, c'est comme si qu'il y avait des sorts dans LoL. T'es obligé de faire vraiment une 2, tu peux pas, ouais. Tu peux pas retourner, tu peux pas commencer à courir. Exactement. Regarde, il est stun. Allons, tu reçois le ballon, à l'occasion de revenir peut-être. Et c'est au fond. Mais il a joué. Allez. Pourquoi le premier est une je comprends pas. Ok, vas-y, go, il y a moins de la win. Ce serait extraordinaire, ce serait le match référence. Ce serait le match référence en vrai. Ça serait le match référence. Je sais pas quoi faire. Non, il me faut des vraies tactiques, les gars, parce que là, ça va pas là. Et ça passe par Casemiro. Là, j'arrive dans l'axe, tu vois, et. Oh, peut-être que. Il n'y a plus personne pour étirer sur l'aile. Match référence ! Match référence ! On a tout donné sur ce match, du geste technique, du but, du comeback. Non, il y a tout dans ce match, il y a tout. Oh, quel match. Bon, en tout cas, je vous host Gota qui, lui, doit faire sa qualif aujourd'hui. Comme ça, lui, c'est réglé et peut-être que dimanche, avec de la chance, il fera plus de champ avec moi. Et moi, je la joue demain. Comme ça, on est calé. Donc, je vous laisse avec Gota, prenez soin de lui, soyez cool, encouragez-le. Voilà. Oh là là, quelle bienveillance, mec, merci beaucoup. Oui.